Certains d'entre vous l'auront sûrement remarqué sur Instagram, ça fait plusieurs jours que je parcours l'Italie et j'ai passé 4-5 jours à Milan. Et je pense que depuis le début du voyage, c'est la première fois que je me retrouve dans une ville qui me fait un peu penser à Paris. Et donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo découverte sur ce que j'avais pu voir à Milan et sur les images que j'avais pu capturer. Pour moi, c'était très intéressant de me retrouver dans une nouvelle ville. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas passé autant de jours dans une ville autre que Paris. Et donc, essayer de retranscrire l'essence de la ville à travers mes images, ça a été un vrai challenge. Je ne voulais pas transposer les photos que je prends à Paris à Milan, mais je voulais vraiment photographier d'une manière nouvelle Milan en apportant mon regard. Et pour en arriver là, il m'a fallu un peu maîtriser la ville ou en tout cas m'y habituer. Et donc plusieurs sorties ont été nécessaires avant que je sois satisfait des images que je pouvais prendre. Je pense que lors des premières sorties, je me contentais uniquement de reproduire ce que je pouvais faire à Paris, des images que j'ai l'habitude de prendre. Et de plus en plus, j'ai réussi à prendre mes marques et à vraiment capturer ce qui fait Milan. Mais avant d'avoir la sensation de commencer à maîtriser la ville, il m'a fallu 3-4 sorties.
Et comme je disais au cours de la vidéo, pour moi ça a été un vrai challenge d'essayer de retranscrire une ville autre que Paris, une ville dans laquelle je n'ai pas forcément mes habitudes et dans laquelle tout est nouveau pour moi, et donc mon cerveau était en constante ébullition. Et je trouve que ça a été intéressant de s'immerger, d'essayer de la capturer. Ça m'a sorti un peu de ma zone de confort et j'ai vraiment pris plaisir à photographier durant ces quelques jours cette ville. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié les images que j'avais pu prendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Enfin, juste avant de finir, je voulais faire un petit aparté pour vous prévenir que la période entre deux vidéos sera sûrement plus longue que d'habitude. On sera plus sur 2-3 semaines plutôt qu'une vidéo toutes les semaines. En fait, depuis le mois de novembre, j'ai commencé un tour d'Europe à vélo. Et donc là, je parcours l'Italie, je vais en Slovénie ensuite. Et après sûrement en Grèce. Donc l'idée c'est que je vous emmène avec moi, que je puisse vous faire suivre mon évolution à travers la photo. Et donc j'espère pouvoir faire de nouvelles vidéos comme celle-ci sur d'autres villes et voir ce que ça peut m'apporter. Et je pense réaliser une vidéo spécifique sur le voyage, sur ce que ça a pu m'apporter à la fois personnellement et à la fois photographiquement. Depuis le début, il y a pas mal de choses qui ont évolué en moi et dans ma photo, je le sens. Donc j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, sûrement dans une autre ville italienne, sûrement Venise. Ciao !